Aujourd'hui, on va vivre quelque chose de spécial ensemble puisque je vais vous faire sentir et entendre comment ça se passe lorsqu'on est seul sur scène devant plus de 500 étudiants. Les jeunes sont allumés, mais c'est également un challenge personnel parce que ben les étudiants ils ont envie de parler entre eux autres, ils ont envie de dire des niaiseries. Il y a même quelqu'un qui s'est fait sortir de la salle durant la conférence. Vous allez assister à ça en live. Et moi, ce que j'aime faire, c'est faire surtout des questions-réponses. J'invite les étudiants à poser des questions et moi, je réponds. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'intervenant ou d'enseignant qui décide quelle question on va poser et il n'y a personne qui décide non plus quelle réponse je vais donner. Donc, évidemment, cet épisode va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après ceci. Laisse avec monsieur Charles Côté. Hello, hello, hello! Hello! Bon après-midi à tous. Je sais pas c'est qui a parti la vague du olé olé, mais je vous ai mis en story. Cool! Content d'être avec vous autres, content de voir votre enthousiasme. Seule chose que madame a dit avant moi, c'est sûr que c'est tout le temps le fun quand c'est respectueux et je peux s'entendre, en fait, rien, que je m'entende juste moi. Donc, juste pour le... Donc, je pense que... À main levée ici, qui m'a déjà vu avant de me voir ici, là? Good. OK, cool. Très le fun. Donc, pas besoin de me présenter plus en long ou en large. Mon nom est Charles Côté. J'ai fondé l'entreprise Drôlement Inspirant. Fait que ceux qui me connaissent Drôlement Inspirant, ça, c'est comme mon nom de rapper, là. Mais sans faire de rap. Et il n'y a pas si longtemps, moi, j'étais assis à la même place que vous. Donc, j'ai pas l'âge d'être vos parents. J'ai plus l'âge d'être votre grand frère. Fait que la façon que je vais parler durant l'heure qu'on va avoir ensemble, c'est plus comme si j'étais votre grand frère. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Good. Cool. Je me souviens quand j'avais des conférenciers qui venaient à mon école secondaire, moi, j'étais le genre dans le fond de la salle qui était inintéressé, qui trouvait ça vraiment plate et qui n'avait pas envie d'entendre ce qu'il y avait à dire. Parce que justement, souvent, je trouvais que c'était des gens un peu décalés de ma génération à l'époque. Puis on dirait qu'ils ne comprenaient pas vraiment ma réalité. Puis comme je vous dis, puisque je suis pas même plus vieux que vous autres, bien, je peux comprendre certaines choses parce que vraiment pas longtemps, j'étais assis à votre place. Donc, les choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je pense que ça va pouvoir vous parler, mais ça prend quand même une certaine ouverture d'esprit. Donc, moi, ce que je me souviens quand j'étais à l'école, c'est que je me sentais vraiment pas bon, puis je me sentais vraiment pas intelligent pour la raison suivante. À chaque fois que je faisais soit un examen ou j'essayais quelque chose, que ce soit même le sport, jeux vidéo, n'importe quoi, j'étais pas bon, puis j'échouais dans à peu près n'importe quoi, puis ça me renforçait l'idée que j'étais vraiment dans rien. Je manquais beaucoup de confiance en moi, j'avais une très basse estime personnelle. Puis je pense que l'une des raisons pourquoi je me sentais comme ça, c'était que j'arrêtais pas de me répéter que j'étais pas bon. Puis le pourquoi que je vous dis ça, c'est que on a une grande puissance que nous avons tous et chacun, peu importe comment vous vous sentez en ce moment, d'être un peu meilleur dans à peu près n'importe quoi avec des trucs qui sont super simples. Parce que on est tous d'accord que si on se répète qu'on n'est pas bon dans quelque chose, que ce soit en rapport avec l'école ou pas pantoute, si on se répète qu'on n'est pas bon, c'est rare qu'on va devenir meilleur. Puis ce qui était drôle, c'est que moi, il y a quelques années, quand j'étais à l'école, j'étais super bon pour retenir toutes les affaires qui avaient rapport avec les chars, avec les quatre roues, motocross, skidoo. Je retenais tout par cœur ces affaires-là, mais mathématiques, français, il y avait bien de la misère avec ça. Fait que, techniquement, je n'étais pas quelqu'un de moins intelligent. C'est juste que qu'est-ce que j'avais devant moi ne m'intéressait pas à ce moment-là. Mais j'avais quand même certaines passions où j'étais capable de retenir des choses. Donc, je n'étais pas moins intelligent, je n'étais pas idiot. J'étais juste inintéressé par le sujet qu'on me présentait. Sauf que l'erreur là-dedans, c'est que vu que j'étais inintéressé, je ne me forçais pas. Puis en ne me forçant pas, ce que ça faisait que mais mon résultat était quoi? Il était mauvais. Puis plus que mon résultat est mauvais, bien, ça renforcit la croyance que je ne suis pas bon. Écoute, moi, je ne suis pas bon en maths, je ne suis pas bon, j'aime pas ça l'école, je ne suis pas bon là-dedans. En étant dans cette posture-là, rendu à l'examen, j'essaie même pas. J'essaie même pas de me forcer, j'essaie pas de comprendre plus, j'abandonne avant même d'avoir tout essayé. Donc, le résultat de l'examen est pas bon. Puis quand je reçois le mauvais résultat, qu'est-ce qui arrive? Je me dis, c'est ça, c'est vrai que je ne suis pas bon. Mais la réalité, c'est pas que je n'étais pas bon, c'est que je ne me forçais pas plus que ça.
Parce que si j'avais envie de connaître quelque chose par rapport aux autos ou aux quatre roues, hey, là, ça, là, c'était super facile. Ça allait bien, là. Fait que je n'étais pas idiot. Mais j'ai grandi pendant des années en pensant que j'étais vraiment stupide. Je me pensais moins intelligent que les autres parce que quand je me comparais avec les autres, il y en avait plein qui étaient meilleurs que moi. Dont mon petit frère et ma petite sœur. J'avais 2 ans, en fait, j'ai 2 ans de plus que mon frère, 4 ans de plus que ma sœur, puis même ma sœur de 4 ans plus jeune était capable de faire plus mes devoirs que moi. Fait que ça me mettait encore plus en tête que hey, mais Charles, t'es vraiment pas bon. Puis quelques années plus tard, mais je me suis rendu compte que finalement, mais c'était pas vrai. C'est pas vrai que je suis moins bon qu'un autre, c'est juste que je me force pas. Puis la première chose qui arrive lorsqu'on est dans cette espèce d'attitude-là de ben je me tape sur la tête puis je m'insulte moi-même, c'est que faut comprendre que si t'insultes quelqu'un d'autre, juste mettons ici à l'école, là, t'as-tu le droit d'insulter quelqu'un d'autre ou d'être méchant avec quelqu'un d'autre? Non. L'établissement ne vous permet pas ça. Pour quelle raison? Parce que c'est blessant. D'accord? D'être méchant ou respectueux envers quelqu'un, c'est blessant, donc l'école ne tolère pas ça. Mais on ne devrait pas tolérer d'être méchant envers nous-mêmes. Donc moi, quand je me répétais que j'étais pas bon dans quelque chose, ben j'étais méchant avec moi-même. C'est juste qu'il n'y a pas un règlement qui dit « Hey, tu n'as pas le droit de t'auto-insulter. » Mais quand j'ai compris cette puissance-là que de me dévaloriser juste moi-même en me disant que j'étais pas bon, ça me nuisait dans tout mon potentiel, j'ai eu un beau déclic. Et par la suite, c'est là que j'ai pu comprendre que finalement, ben, je peux essayer plein d'autres choses puis je vais être bon dans autre chose. Parce que je vous dis, moi, je me sentais tellement, mais tellement pas bien puis il n'y avait rien qui me motivait. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui, parfois, peuvent se sentir démotivés par rapport à n'importe quoi au niveau de la vie. Mais moi, c'est comme ça que je me sentais. Puis ce que je vais vous expliquer, ben, c'est tous des trucs qui sont très simples, qui, moi, m'ont aidé. Donc, première affaire, c'est au niveau de mon attitude. Puis le niveau de l'attitude, c'est pas, je vous dis pas ça d'un point de vue moralisateur comme un parent qui dirait « Hey, change ton attitude! » C'est pas ça là, que je vous dis. Là. L'attitude, c'est quand il arrive quelque chose, comment je réagis face à ça. Puis là, je vous explique ça, là. Ça, c'est le genre d'affaires que j'explique à des adultes. C'est pas un truc de « Hey, mais allez dire ça aux jeunes d'un école secondaire! » là. C'est des affaires que j'explique à des adultes et que beaucoup d'adultes n'ont pas compris. Et si vous comprenez ça, vous allez avoir une méga avance. Parce que tous les adultes vont dire « Bon, ouais, il a raison. » Mais ils le font peut-être pas. Puis c'est incohérent, puis si vous êtes incohérent avec ça, je vous dis, ça va être hyper efficace pour dans votre vie. Donc, quand il arrive quelque chose de négatif, quelque chose qui te fait chier, la première chose que je me dis, c'est est-ce que j'avais un contrôle là-dessus? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle et des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Première affaire qui me vient en tête, la température. Est-ce que je contrôle s'il fait beau ou il fait pas beau? Non. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et pourtant, il y a des gens quand même qui vont se plaindre parce qu'il fait pas beau, tu sais. Ça, c'est de base. On va skipper cette partie-là. On n'a pas le temps de rester accroché là-dessus, de ceux qui chiassent la température. On les met de côté. C'est juste pour dire qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, donc je ne peux pas me plaindre là-dessus. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus frustrantes, genre, pour ceux qui disaient qu'ils me voyaient sur les médias sociaux, vous savez que j'ai une voiture que j'aime, j'en ai une coupe, mais j'ai une Audi RS7 qui a une moto qui me rentrait dedans, qui a défoncé mon bumper. Là, pas si longtemps. Là. J'étais tout content de ça, moi, mon char et tout ça. Heureusement, j'étais avec ma conjointe et mon enfant, pas de blessé. La moto non plus. Lui, ça n'aurait pas dérangé. C'est pas vrai. Tout le monde était correct. Évidemment, est-ce que j'avais un contrôle sur le fait que la moto me rentre dedans? Je suis dans le trafic, il me rentre dedans, point. Ça s'arrête là. J'avais aucun contrôle là-dessus. La seule affaire que je peux contrôler, c'est mon attitude et ma réaction par rapport à ça. Si je me fâche, puis je suis frustré, puis je suis fâché, c'est légitime. J'ai le droit de me sentir comme ça. Mais ça m'aide absolument à rien. Ça va rien m'aider. Ça va rien changer dans la situation de rester fâché. Sur le coup, je peux être fâché. Mais de rester dans cette espèce d'attitude-là de « je reste fâché parce que c'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre », ça m'aide à rien. Savez-vous pourquoi? Parce que cette mauvaise attitude-là va se refléter dans tout le reste de ma journée, de ma semaine, du mois et de l'année. Puis il y en a qui vont dire « mais non, mais ça n'a pas rapport, je suis fâché là, puis c'est pas grave, à un moment donné, il y a d'autres choses qui vont se passer, ça va bien aller. » Je comprends. Mais si vous êtes capable rapidement de réajuster cette espèce d'attitude-là, c'est de l'avancement qu'on a hyper rapide où c'est arrivé, j'ai reçu un contrôle là-dessus. Non, qu'est-ce que je contrôle mon attitude? Je continue mes affaires. Ça ne va pas m'empêcher de vivre, qu'est-ce qui vient d'arriver là. Peu importe ce qu'on vit. Évidemment, il peut y avoir des degrés de choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment graves. Je ne rentre pas dans cette catégorie-là. La catégorie dans laquelle je rentre, c'est des banalités. Des choses que... Il n'y a personne qui va mourir, il n'y a pas de blessés,
c'est juste toi envers tes émotions. Donc, l'exemple de la voiture, c'est un exemple super simple. De l'autre côté, il y a des choses qui nous arrivent où ce que là, on a un contrôle. Donc, quelqu'un me rentre dedans, je n'ai pas de contrôle. Mais dans le reste de ma journée, j'ai du contrôle. J'ai du contrôle comment je vais interagir avec les gens autour de moi. J'ai du contrôle si je m'en vais faire du sport ou si je reste écrasé devant la télé. J'ai du contrôle si je mange bien ou je ne mange pas bien santé. J'ai du contrôle sur plein d'autres affaires dans ma journée, bref, dans ma vie. Puis ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on se fâche sur une situation qu'on n'avait pas de contrôle, à l'inverse, tout ce qu'on a du contrôle, on va des fois le bousiller. Puis c'est exactement ce que je faisais à l'école, v'là pas si longtemps que ça. C'est que si j'étais fâché par une situation, je sabotais tout le reste de ma journée. En me forçant pas, en étant bête avec les autres, en étant comme, oh, m'en fous. Une attitude de, pff, m'en fous, c'est pas important. Fait que je peux comprendre quelqu'un qui est assis en ce moment et qui est comme, oh, pff, m'en fous de qu'est-ce qu'il dit. Là. Mais un jour, ça va peut-être comprendre. Puis c'est pas grave, chaque chose en son temps, c'est bien correct. Mais pour celui ou celle qui comprend ce point-là de, imaginez là, si toutes les choses qui vous arrivent négatives sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, vous continuez quand même à garder une certaine attitude positive, ça change toute la game au complet. Puis ça, c'est pas une affaire de, hey, fais ça 2-3 semaines ou fais ça 2-3 ans, ça va bien aller. Là. C'est quelque chose de toute ta vie. Si tu as cette espèce d'art de vivre-là, ça te suit toute ta vie puis c'est hyper efficace. Puis, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que nous autres, chez Drôlement Inspirant, on a des clients qu'on accompagne dans leur cheminement personnel, soit pour les aider avec leur confiance en soi, leur communication, puis les aider dans leur carrière, à faire plus d'argent, peu importe. Puis, j'avais fait un défi pendant 21 jours, ce que je donnais comme plein de défis avec nos clients. Puis, le premier défi, c'était interdit de chialer pendant 21 jours. Première journée, tout le monde fait « Ah! » Facile. Deuxième, troisième journée, tout le monde naillit. Est-ce qu'ils vont « Fuck! C'est dur d'arrêter de chialer ou pas se plaindre pendant 21 jours. » Puis, savez-vous ce qui est intéressant là-dedans? C'est pas l'idée que je leur donne le défi puis que c'est dur pour certains ou facile pour d'autres. Ce qui est intéressant là-dedans, qu'on a remarqué, c'est que, ça, c'est 100% des gens. Là. La personne où, ce que, mettons, jour 3, pendant 21 jours de défi, a une situation sur laquelle elle aurait le goût de se plaindre, moi, je lui disais, on chialera au 22e jour. Fais le défi, là, plains-toi pas si ce qui vient d'arriver, là, tu chialeras au 22e jour. Mais que le défi soit fini, là, on critiquera, on chialera. Pendant 2 semaines, il y a d'autres choses qui se passent. La personne ne se plaint pas sur ce qui est arrivé. 2 semaines passent. Pensez-vous qu'après 2 semaines, la personne a le goût de chialer sur ce qui est arrivé, là, 2 semaines? Non. Juste parce que le temps a passé, personne n'a plus le goût de chialer. Puis ce qui était beau là-dedans, dans cet exercice-là, c'est de remarquer qu'au final, ben, beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie ne sont que des petits inconforts temporaires. C'est temporaire. C'est temporaire si je réagis bien. Si je réagis mal, c'est plus permanent. Parce que je traîne ça avec moi. C'est comme un tas de négativité que je traîne avec moi, puis j'espère avoir un moment donné plus de légèreté. Mais c'est parce que tu traînes ça, là. Laisse ça là, ce que tu ne contrôles pas, là, puis qui est désagréable, on continue d'avancer. Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Le but, c'est pas d'être parfait ou ce que je vous dis, hey, moi, chaque jour, je suis tout le temps de bonne humeur. Non. Il y a des journées que je suis en crise. Il y a des journées que je suis pas de bonne humeur. Ce que je vous dis, c'est au moins de constamment se rappeler ça pour avoir un certain avantage. Et c'est super simple à savoir par garder en tête. C'est juste plus difficile de le mettre constamment en application. Puis le but, c'est pas de culpabiliser, de sentir mal qu'il faut être parfait avec ça, mais plutôt de se dire, hey, si, une fois de temps en temps, je suis capable d'être plus positif par rapport à une situation qui me met en crise, bien, ça va être à mon avantage. Ça va pouvoir m'aider. Puis les gens qui avaient fait ce défi-là pendant 21 jours, bien, ils avaient eu cette belle prise de conscience-là. Puis je vous lance le défi si ça vous intéresse. De ne pas se plaindre pendant juste une semaine. Faites-vous un défi 7 jours. Pendant une semaine, de ne pas chialer. Juste ça, là, ça peut être un beau défi. Puis juste de terminer ça, là, juste de se donner un défi et de terminer, ça peut vous donner un grand avantage. Je reviens à quand ce que je vous parlais par rapport à lorsque j'étais à l'école puis que je me sentais idiot. Le fait que j'étais dans cette attitude-là de ben je suis pas bon puis j'étais négatif envers moi-même m'empêchait d'aller plus loin dans mon potentiel. Puis je sais pas s'il y en a ici qui connaissent le fameux plus grand inventeur, je pense que lui s'appelait Thomas Edison. Vous savez qui connaît Thomas Edison? Il a inventé 2-3 affaires genre la lumière, là, l'ampoule. Là. Il a fait quand même pas mal d'inventions. C'est une des personnes qui a eu le plus de brevets sur la planète. Pourquoi je vous parle de lui? C'est super simple.
Thomas Edison, quand il était à l'école, il est revenu maintenant avec une lettre à la maison que c'est l'école qu'il avait écrit à ses parents. Écoutez bien ça. S'il y en a qui pensaient à autre chose pendant 10 minutes, là, revenez 30 secondes. OK? Ça, cette histoire-là, c'est super, super important de comprendre l'idée en arrière. Thomas Edison, il revenait à la maison avec une lettre pour sa mère que quelqu'un à l'école avait écrit, genre son prof ou directeur, directrice d'école. Puis la mère de Thomas Edison prend la lettre, elle la lit devant lui, puis elle pleure en même temps qu'elle la lit. Puis ce qu'elle dit, c'est ce qui était écrit, « Votre enfant est un génie. Nous n'avons pas les ressources présentement à l'école pour s'occuper de lui. Veuillez gérer son éducation vous-même. » Donc, il l'a renvoyé de l'école par prétexte qu'il était trop intelligent. Fait que Thomas Edison, ben, il part faire sa vie, puis pour lui, ben, il est un génie. Fait qu'il a accompli plein de choses, genre inventer l'ampoule, puis il a fait plein d'autres inventions. Là. Il a gagné les prix Nobel, ça fait partie d'une personne qui a impacté le monde entier. Notre vie ne serait pas pareille en ce moment si lui n'avait pas existé. Des années passent, sa mère décède, il retrouve la lettre. Il lit la lettre, puis là, c'est lui finalement qui pleure. Parce qu'il se rend compte que ce que sa mère lui avait lu, c'était pas du tout ce qui était écrit. Ce que l'école avait écrit, c'était « Votre enfant est un idiot. Nous ne pouvons pas l'aider. On détecte chez lui de graves troubles d'apprentissage. Veuillez gérer son éducation vous-même. » Donc Thomas Edison, il est devenu vraiment un génie parce qu'on lui avait dit que c'était un génie. Et des histoires comme ça, il peut en avoir beaucoup. Puis je comprends qu'il peut y avoir certaines personnes qui se font dire par les autres qui sont moins bons. Ce que je vous dis, c'est pas « Tout le monde ici va devenir un génie », c'est pas ça le point. Mais c'est que si on y avait dit qu'il était pas bon, probablement qu'il n'aurait même pas essayé de faire plus. Et moi, ben, c'est exactement comme ça que je me sentais quand j'étais jeune. Je voulais pas essayer plus, je voulais pas me forcer plus, parce que j'étais convaincu que j'étais pas capable. Puis cet exemple-là, on peut le prendre d'une autre façon. Si, exemple, on fait une course à pied, là. On part, mettons, il y a un 100 mètres, là. Moi, je suis là sur un 100 mètres. Puis imagine-toi, tu es à côté de moi sur le 100 mètres. Moi, je suis rendu à 90 mètres dans la course. Toi, tu n'es même pas à 20 mètres de fait. Les chances que tu continues de courir sont très minces. Pourquoi? Parce que si tu vas me voir en avant, tu vas te dire, oh, il va gagner Noé. J'abandonne. L'humain est fait comme ça. Si on n'est pas convaincu qu'on va réussir quelque chose, on met moins d'efforts. C'est pas quelque chose de... Ça s'applique juste à vous autres, les ados, là. C'est quelque chose pour l'humain, point. C'est autant bon pour n'importe qui. Dès qu'on pense qu'on ne réussira pas quelque chose, on ne met pas autant d'efforts. Mais c'est dommage parce que peut-être qu'à 95 mètres, moi je tombe, me casse la cheville, puis tu vas finir par me dépasser puis gagner la course. Donc, le fait de savoir que si j'abandonne avant même d'avoir tout donné, fait automatiquement le résultat que ben, c'est un échec, ben là, il faut que je prenne ça complètement différemment. Puis l'idée, la morale là-dedans, c'est juste de dire, je peux-tu mettre un effort de plus dans n'importe quoi de ce que je fais? N'importe quoi. C'est pas juste à l'école, c'est dans à peu près n'importe quoi, puis autant dans vos passions. Il y a sûrement des choses qui vous passionnent, puis vous dites, hey, moi, c'est ça qui me fait triper. Mais parfait, mets de l'effort là-dedans. Mets de l'effort aussi dans tes passions, dans les choses que tu aimes. Le but, c'est pas juste de dire, faut se faire chier. Mais si tu as une attitude de dire, moi, je mets autant d'effort dans ce que j'aime que dans ce que j'aime pas, ça peut avoir un grand changement significatif dans vos vies. Puis moi, d'avoir fait ça m'a grandement aidé parce qu'après ça, c'est venu me prouver que hey, ben finalement, là, je peux vraiment faire des bonnes choses. Puis là, j'ai des bons résultats dans plein de sphères de ma vie. Puis là, je vois que j'avance, puis j'accomplis des trucs. Puis là, c'est du renforcement positif qui m'encourage encore plus à faire de belles choses. Puis vous remarquerez autour de vous, que ce soit dans famille, amis, les gens autour de vous, là, que souvent la personne pour qui ça va mal dans sa vie, ça va tout le temps mal dans sa vie. Puis la personne pour qui ça va bien, ça a l'air de tout le temps bien aller dans sa vie. La réalité, c'est pas que ça va tout le temps mal puis l'autre tout le temps bien. La réalité, c'est que la personne qui est dans une espèce de cadence que tout va mal, continue de constamment attirer ça. Continue constamment de reproduire ça. Puis on le voit, là, c'est super facile. On le voit super facilement quelqu'un qui, ça va bien dans sa vie, bon, ben, prend des bonnes décisions. Si ça va bien dans ta vie, tu prends les bonnes décisions. Mais quand ça va mal, prends-tu des mauvaises décisions parce que ça va mal? Donc, au niveau de l'attitude, ça peut changer tellement, tellement, tellement de choses. Puis, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on pourrait parler de tellement, tellement, tellement de sujets, mais c'est le point 1. Fait quand même que je vous essaierai de faire un grand speed. Le but, c'est pas de vous motiver, là. Je suis pas là pour ça, pantoute, là.
L'idée, c'est que s'il y a une ou deux ou trois personnes qui aujourd'hui comprennent le message que l'attitude peut changer beaucoup de choses dans notre vie, ça va avoir un impact significatif. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, puisque l'idée, c'est pas de juste vous parler, j'ai envie qu'on échange, par contre, juste comme une personne à la fois. Moi, je peux prendre des questions. Je pense qu'il y a des questions qu'on avait déjà écrites à l'avance. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, c'est que je le sais que pendant que quelqu'un pose une question, c'est comme si entre vous, vous pouvez parler. J'apprécierais qu'on garde, on a encore une bonne demi-heure ensemble. Là. C'est super vite. Ça, ceux qui sont intéressés, de juste pas parler pendant qu'on a les questions. S'il vous plaît. Je suis prêt à commencer avec n'importe qui. Premièrement, qui se lève. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut passer le micro également. On a une question ici. Yes, j'écoute. Pourquoi tu as décidé de créer ta chaîne TikTok? Très bonne question. Quelqu'un qui applaudit. OK. OK, c'est super simple. Je vais te répondre de façon super, super honnête. Là. Il n'y a rien de cute dans ce que je vais te dire. Là. Moi, j'avais déjà une implication sur les médias sociaux. J'étais sur les sites plates là, que vos parents sont là-dessus, là, genre Facebook. Là. Puis j'étais sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Je faisais des vidéos pour me faire connaître par rapport à mon entreprise. Puis en fait, les médias sociaux, c'est juste une façon pour moi de me faire connaître, pour faire connaître en fait qui je suis puis qu'est-ce que je fais. Parce que j'ai une entreprise, puis n'importe quelle entreprise, son but, c'est de se faire connaître pour vendre son produit ou ses services. Fait qu'il y a des entreprises qui vont mettre de la publicité dans des journaux, à la télévision, des pancartes sur l'autoroute. Moi, j'ai mis pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps sur les médias sociaux. Et quand TikTok est arrivé, c'était à peu près en 2019 que moi, j'ai vu ça. Ça venait de ne plus s'appeler Musical.ly. Fait que j'étais quand même dans les débuts de ça. Puis c'est un ami qui me dit « Hey Charles, il y a une plateforme TikTok, ça s'appelle… » Puis là, je me souviens parce que tout le monde se foutait de ma gueule, parce que tout le monde disait « Ah, c'est pour les enfants, c'est juste du monde qui danse. » Puis j'avais eu assez de courage pour me dire, mais moi, je m'en fous, je vais aller dessus, puis comme, pas danser, mais parler, faire qu'est-ce que je fais. Puis c'est la preuve un petit peu que lorsqu'on passe par-dessus le jugement, qu'on fait ce que peut-être d'autres personnes pointent du doigt comme étant de la critique ou en disant, tu devrais pas, mais peut fonctionner parce que ça a été l'une des plateformes qui m'a fait le plus connaître. D'ailleurs, je pense que je serais même pas ici si c'était pas de cette plateforme-là, parce que personne ici aurait su je suis qui. Donc, c'est comme ça que j'ai parti sur TikTok, tout simplement. C'était pour réussir à me faire connaître. Puis le hasard a fait que, ben, au début de cette application-là, c'était facile de se faire connaître. En 2019, je faisais une vidéo en disant « Hey, salut tout le monde! Mon nom, c'est Charles, puis je vous souhaite une bonne journée! » 300 000 vues. Ça n'avait aucun rapport comment c'était, je ne veux pas dire facile, mais pour moi, pourquoi ça a fonctionné, c'est pas parce qu'il y avait ce bout-là facile, mais c'est parce que j'avais vraiment, vraiment suivi ma vie sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Donc ça, je peux te faire la comparaison que, mettons que tu te fais chier en ce moment à l'école ou tu te fais chier dans un job que tu n'aimes pas, peut-être que c'est hyper nécessaire parce que c'est pas ce que tu vas apprendre ou peu importe, ou ta job ou whatever, qui va être payante, c'est le fait que tu as développé de la persévérance sur quelque chose puis qu'après ça, quand tu vas arriver dans un autre domaine ou autre chose, ben là, c'est là que ça va fonctionner. Fait que moi, c'est ma persévérance de faire plein de vidéos sur Facebook qui marchaient moyen, qui a fait en sorte que quand je suis arrivé sur TikTok, là, ça a vraiment marché. Mais si je suis juste arrivé là par hasard, probablement que je n'aurais pas eu le succès que là, j'ai en ce moment sur cette application-là. C'était vraiment une question de persévérance puis de timing en même temps. Fait que, voilà, c'est ta question. Prochaine question. Fait qu'on est ouvert aux questions. S'il y en a qui ont d'autres questions, vous avez juste à lever la main. Ouais. Là-bas, chandail jaune. Allô? Moi, c'est Vincent. Vincent. J'ai une question pour toi. C'est quoi ton opinion sur Andrew Tate? Attends un peu, je vais attacher mes patins. C'est rare parce que tout le monde m'écrit ça sur, justement sur TikTok, puis j'ai jamais répondu à cette question-là. Là, c'est le temps. Je vais te répondre. C'est la première fois que je vais répondre à ça. Ben, j'ai vu l'enthousiasme de tout le monde. Puis je pense que ça va être important de répondre parce qu'on le voit beaucoup passer, puis là, un petit peu moins. Je vais répondre de façon très sincère. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, je ne me fie pas aux commentaires des gens, c'est-à-dire ce que les gens pensent de quelqu'un négativement.
parce que moi-même, je vis un peu ce qu'il vit, c'est-à-dire, on a des vidéos très, très, très courtes sur les médias sociaux, où ce que parfois, le sujet que je vais parler va être pris négatif, un peu comme, va être pris en fait d'une tournure différente. Comme moi, il y a plusieurs personnes qui pensent que je dis que l'école, c'est pas bon. C'est weird parce que je suis ici en ce moment. Tu comprends? Fait que c'est un clip de 30 secondes qui vont dire « Ah, ben là, Charles dit que l'école, c'est pas bon. » C'est pas ça le point. Ça fait partie d'une vidéo qui dure une heure où il y a plein de nuances. Mais Andrew Tate, c'est un petit peu ça. C'est qu'il parle de plein de sujets qui sont présents, même intéressants, mais quand c'est des petites coupures, ben c'est là qu'il se fait ramasser. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Moi, ce que je pourrais dire, ou ce qu'il a échappé, c'est toutes des choses au niveau plus misogyne, que je pense pas qu'il est comme ça, mais qu'il est allé sur un terrain glissable. De toute façon, quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, quelqu'un qui fait beaucoup parler, ça peut amener une certaine contrainte pour les gouvernements, pour la politique, pour plein de choses. Donc, ils vont essayer de le faire taire un petit peu. Puis, c'est correct, c'est pas correct, on n'est pas là pour régler le point. Mais je ne peux pas dire que j'adhère à tout ce qu'il dit, mais je pense qu'on peut prendre le positif puis laisser le négatif. Fait que moi, j'aime beaucoup dire « j'en prends puis j'en laisse ». Fait que tu sais, moi, mettons, j'ai un mononcle qui fume, il boit, il n'a pas une bonne hygiène de vie, mais par contre, chaque fois que je lui parle, il est super positif. Bien, ce que je vais prendre de mon oncle, c'est qu'il a une attitude positive, mais je ne prendrai pas ses habitudes de vie qu'il boit, qu'il fume puis qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie. Tu comprends? Mais Andrew Tate, c'est la même chose. Prends le fait qu'il dit qu'il faut être discipliné, qu'il faut faire attention aux gens qu'on côtoie, qu'il faut prendre soin de sa santé. Moi, je prends ça de lui, puis les choses que j'aime peut-être un petit peu moins, je les laisse là, puis on en fait ce qu'on en veut. Donc, voilà. C'est cool, vous êtes vraiment bien enthousiaste, c'est le fun d'être avec vous autres. Prochaine question. Question aussi? Là, oui. Bonjour. Oh, OK. Oui. Bonjour, Charles. Yes. Je m'appelle Elliot. Je suis un passionné de culinaire puis plein de choses, mais je voulais juste savoir, parce que je vais en apprendre plus sur toi, puis tout. C'est quoi ton repas préféré? Le spaghetti. Prochaine question. Je trouve ça le fun que toi-même, tu t'applaudis, t'es comme, viens le spag, si, viens le spag. Moi, j'avoue qu'il n'y a pas de meilleure question que ça. Fait qu'il n'y a personne qui veut poser une question, c'est dur à battre. J'ai une question ici. Oui. Oui, c'était quoi ta première job étudiante? Ah, bonne question. Moi, j'ai travaillé sur les fermes. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais l'âge de 10 ans. Puis la façon que c'est arrivé, c'est une belle histoire. J'avais vrai 10-11 ans, puis c'était une ferme où il y avait, c'était de l'élevage de poulets, du poulet de grain. Mon père travaillait le dimanche pour ramasser les poulets, pour après ça les amener à l'abattoir. Et moi, j'étais là parce que j'aimais ça voir comme le monde travailler. Puis je faisais du 4 roues comme alentour des poulaillers puis tout ça. Puis j'étais avec les deux fils du propriétaire. Puis je me souviens pas ce qui est arrivé en 4 roues. Tout ce que je me souviens, c'est que je me suis réveillé dans le fossé. J'ai comme eu un accident, puis j'avais la tête sur le pare-brise, puis les deux enfants pleuraient. Heureusement, personne n'était blessé. Et là, le 4 roues était brisé. Il y avait une roue croche comme ça dans le fossé. Moi, j'ai essayé de sortir le 4 roues, puis je pleurais, puis j'étais comme, ah non, je viens d'être brisé, puis c'est une catastrophe. Et ils ont bien vu que je ne m'en revenais pas du champ, fait que quelqu'un est venu me chercher en tracteur. Et le patron me dit quelque chose que je vais toujours me rappeler. J'étais assis dans l'auto à mon père, puis je pleurais, puis je me sentais mal parce que j'avais brisé son 4 roues, puis parce que ses enfants étaient avec moi. Fait que je me sentais vraiment pas bien. Puis il m'a dit, « C'est quoi, Charles? Des accidents, ça arrive. Ben, faut que tu payes tes erreurs. » J'avais 10-11 ans. Là. Je sais que t'as pas d'argent, fait qu'il va falloir que tu travailles pour payer ça. Fait qu'ils ont regardé combien ça coûte le réparer, puis tu travailleras pour le payer. Fait qu'il m'avait obligé à 10-11 ans à payer l'erreur que j'avais faite. Fait que déjà, c'est une grosse apprentissage. Je ne grandis pas avec l'idée que tout m'est dû, puis parce que je suis un enfant, les adultes doivent payer pour moi. Donc, quelques jours après, c'est l'automne, je suis retourné à la ferme, puis il y avait des feuilles à racler, puis il y a plein de petits boulots à faire comme ça. Puis j'ai commencé à faire ces job-in-là, puis il a vu que j'étais travaillant, puis que j'étais bon. Puis par la suite, c'est là qu'il a décidé de m'embaucher les fins de semaine, puis les soirs après l'école, pour travailler sur la ferme. Puis c'est ça qui m'a permis
de 10-11 ans à aller jusqu'à 18 ans. C'est là que je travaillais. J'ai appris tellement de choses. J'ai fait de l'argent. J'ai pu me payer mon premier scooter, mon deuxième scooter, mon premier motocross, mon premier 4 roues, mon skidoo, mon premier char. Puis d'avoir même de l'argent pour partir ma première compagnie à 17 ans de machine distributrice. Fait que pourquoi je te raconte tout ça? C'est que c'est drôle parce que oui, je réponds à ta question en même temps que ma première job, c'était sur une ferme. J'ai fait plein de choses. Mais c'est arrivé d'un échec, c'est arrivé d'une erreur. Parfois dans la vie, il y a des choses négatives qui peuvent nous arriver. Puis finalement, on tourne ça en étant quelque chose de positif, mais on le comprend plusieurs années plus tard. Si tu m'avais dit à 11 ans, Charles, qu'est-ce qu'il y a de positif d'avoir brisé un 4 roues puis d'avoir remboursé, mettons, 600$, je t'aurais dit rien. Mais 10 ans après, quand tu réalises que finalement, ça t'a donné un travail, ça t'a appris des choses, ça l'a amené du positif dans ta vie, ben, c'est le fun de le voir comme ça. Parfois, quand il vous arrive des choses négatives, il ne faut pas oublier que peut-être que dans 10 ans, cette histoire-là va être finalement devenue positive. Moi, Charles, j'avais une petite question aussi. Tu as nommé le terme entrepreneur, fait qu'on considère un petit peu que c'est de l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, est-ce que. Puis je suis certain qu'au niveau des jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui ont des rêves, qui ont des projets d'avenir, soit de se partir une ferme ou. Est-ce qu'il y aurait des pièges que tu pourrais nommer qu'on pourrait peut-être essayer d'éviter en tant que rêveur de vouloir se partir une business ou quelque chose? Ben, je sais que c'est peut-être pas l'idée de chacun, mais en fait, c'est pas. En ce moment, sur tous ces médias sociaux, on valorise beaucoup comme le monde entrepreneurial. Des fois, c'est comme ça peut te déteindre un peu sur le monde qui n'ont pas envie d'être en affaires. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu es meilleur. Là, tu sais, puis souvent, c'est dommage parce que. C'est ces gens-là, plus qu'on va écouter, là, c'est rare qu'on soit quelqu'un qui travaille dans un bureau 9 à 5 faire une conférence dans une école. Là, fait qu'on va prendre l'entrepreneur qui a réussi. Moi, ce que j'aimerais dire en partant, c'est que c'est pas parce que tu as un business ou que tu veux être entrepreneur que tu es meilleur qu'un autre. Là, c'est d'humain à humain, ça n'a aucun rapport qu'une distinction. Par contre, juste pour le fun, qui ici a eu l'idée ou a l'idée peut-être d'éventuellement avoir une entreprise? Ça, par applaudissement, juste pour savoir. Juste pour voir un peu tenter le coup. OK. Quelques personnes. Good. La bonne nouvelle, c'est ce que je vais vous dire, ça s'applique à peu près pour n'importe qui, autant que tu veux un job ou en affaire, mais surtout, si tu as déjà eu l'idée, j'attends, je vais être sûr d'en entendre. Donc, c'est pas grave, on va continuer. On va continuer. Hey, tu sais, tantôt, là, l'attitude positive, là, c'est là qu'on met ça en jeu. Là. Bref. La première chose que je pourrais vous dire par rapport à lorsqu'on veut se lancer en affaires, c'est que. Puis je vais vous dire quelque chose que peut-être c'est pas familier avec ce que vous avez déjà entendu, mais l'idée, c'est pas que de. Il y a que du vrai, que du faux. Ah, bon. OK. Le temps d'attention était court, hein? Ah, il nous reste 20 minutes. Ça l'intéresse, par applaudissement, qui est intéressé à la question? Bon. Cool. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que en entreprise, souvent, ce qu'on va se faire dire, ou plutôt quand on est jeune, on se fait dire beaucoup le mot prudence, faut réfléchir. T'sais, on nous met beaucoup sur le frein, sur la défensive. Moi, ce que j'ai compris à un jeune âge, c'est que plus je vivais d'expérience, plus je maturais rapidement et plus j'étais capable de voir c'est où mes talents. Tantôt, je racontais une histoire par rapport à un moment, j'avais 18-19 ans puis j'avais plusieurs projets d'affaires et j'avais une espèce de convention aux États-Unis que je pouvais aller avec des collègues de travail puis ça coûtait de l'argent aller là-bas. Puis ça me coûtait à peu près 10 000$ pour amener, mettons, tous mes amis avec moi. Le problème, c'est qu'à 18-19 ans, j'avais pas 10 000$. J'avais à peu près 4-5 000 dans mon compte. Puis là, je m'étais dit, OK, comment je peux faire fructifier cet argent-là? Et là, j'étais allé faire des recherches. Moi, j'étais beaucoup sur l'EPAC pour trouver des entreprises à vendre ou peu importe. J'essayais de trouver des trucs pour faire de l'argent. Et j'avais vu que quelqu'un vendait des Alcotest. Des Alcotest pour voir si c'était trop bu d'alcool, je conduis la voiture. Je n'avais acheté pour 5 000, qui était exactement ce que j'avais dans mon compte en banque. Donc, j'avais zéro dans mon compte en banque, mais j'avais des Alcotest. Puis je me suis dit, on va aller vendre ça en porte-à-porte. Troisième maison, ce que je cogne, le monsieur me dit « C'est où ton permis pour faire du porte-à-porte? » Je venais d'apprendre que ça prend un permis pour faire du porte-à-porte. Je me suis dit « C'est pas bien grave. » Il m'a dit « Tu peux avoir une amende qui va dans les dizaines de milliers de dollars si tu te fais
pogné à faire du porte-à-porte, t'as pas de permis. Fait que là, moi, je me suis dit, ah, je suis dans la merde. Fait que j'ai recontacté la personne avec qui j'avais acheté ça pour me faire rembourser. Puis évidemment, la personne ne voulait pas. J'ai réussi à la convaincre que j'avais pas le choix, que là, j'avais plus d'argent. J'ai redonné toutes ces choses. Il m'a repayé, mais pas tout au complet. Il a gardé un petit peu d'argent en me faisant croire qu'elle allait me payer plus tard, finalement, elle m'a jamais payé. Fait que j'ai appris de là, que c'est pas tout le monde qui est honnête, malheureusement. Puis je suis allé quand même aux États-Unis avec mes amis d'une convention où j'avais tout payé pour eux autres, puis j'avais tout mis ça sur mes cartes de crédit. Puis quand je suis revenu, il n'y a personne qui m'a remboursé. Fait que j'avais perdu, vrai, peut-être un total, 8-9 000, tu sais, vraiment de mes poches, d'aller là-bas puis de revenir. À 19 ans, perdre 10 000, pour certaines personnes, ça peut être tragique, voire même irréparable. La réalité, c'est que j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Vous allez me dire, oh, mais t'apprends à quoi de perdre ça? Ça s'explique pas, ça se vit. Donc là, je vous souhaite pas ça. Mais ce que je dis, c'est que chaque erreur qui peut arriver, il y a un grand apprentissage derrière. Et je peux vous conter des histoires comme ça, plein. Je ne fais que vivre ce genre de situation-là, où c'est quasiment à chaque mois, il m'arrive une espèce d'échec. Puis c'est hyper payant, pas juste financièrement, mais payant, oui, financièrement et intellectuellement, où est-ce que je comprends quelque chose. Puis de l'apprentissage de ça, je grandis beaucoup. Mais je comprends, puis je sais, puis peut-être qu'il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec ça, qu'on nous met beaucoup dans un discours pour nous sécuriser, puis essayer de freiner le plus d'échecs possible. Puis je pense que ça peut aller aussi par époque. Il y a des époques où il y avait peut-être moins d'opportunités, puis il fallait plus être sécure. En ce moment, des opportunités, il y en a partout. Puis vous le voyez déjà là, sur Internet, il y a comme on voit tellement de choses qu'on peut faire. C'est plus vrai qu'on peut juste ouvrir le livre ou c'est quoi les jobs qu'on peut faire plus tard. Puis c'est comme hyper tangible, hyper concret. Ça fait 50 ans qu'il y a ces jobs-là. Aujourd'hui, on peut avoir un job. En fait, on peut inventer notre job. T'sais, moi, mon travail, je l'ai inventé. Là. C'est pas quelque chose qui existait. Là. J'ai créé quelque chose, puis ça fonctionne, puis ça me paye. Mais je n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas vécu tous ces échecs-là à un jeune âge, puis qui m'ont permis de développer une maturité émotionnelle, une maturité financière, une maturité tout court, qui me permet d'avoir une bonne attitude, comme je disais tantôt, quand il y a des choses négatives qui arrivent, puis toutes ces choses-là. Donc, un des conseils pour répondre à ta question par rapport à quand tu te lances en affaires, c'est un peu ironique à dire, mais c'est de ne pas avoir peur de l'échec, parce que parfois, l'échec, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Moi, je pense que quand tu as un but, moi, je me souviens, ça va peut-être intéresser plusieurs, là. Moi, à 16 ans, là, j'avais écrit sur un bout de papier que je voulais devenir millionnaire avant l'âge de 28 ans. Je me dit, moi, il faut que je devienne millionnaire avant 28 ans. Puis là, évidemment, qu'est-ce que vous pensez que les gens me disaient? Impossible. Comment tu vas faire ça? Puis la réalité, c'est que je ne savais pas comment. Là. Puis 2 ans avant de faire mon premier million, j'avais fait 35 000 dans l'année. Donc, j'ai pas réussi à faire plus qu'un million dans une année parce que j'avais accumulé à chaque année un petit peu d'argent pour m'amener à cette arrivée-là. Chaque année, c'était une bonne année, une mauvaise année, une bonne année, une mauvaise année. C'était juste comme ça en montagne russe. Puis m'amener, ça a commencé à bien monter. Puis je sais pas, là, peut-être que dans les prochaines années, il va m'arriver quelque chose de négatif, puis ça va redescendre. Je sais pas, je souhaite pas ça. Mais si ça l'arrive, c'est sûrement pour une bonne raison. Donc, si 2 ans avant d'avoir fait plus qu'un million, j'avais fait 35 000, c'est la preuve que c'est pas une question d'être hyper sécure et prudent puis de tout vouloir faire en sorte de rien perdre. C'est d'être prêt à dire il y a des risques, il va y avoir des challenges, il va y avoir des défis, ça sera pas facile. Parce que pour ceux et celles qui ont applaudi tantôt en disant « Ouais, t'es entrepreneur, là », il y a rien de cute là-dedans. Là. C'est probablement l'une des carrières les plus difficiles. Je dis pas que c'est plus difficile qu'autre chose, mais dans tout ce que j'ai fait, pas mal quelque chose qui est difficile. Par contre, si vraiment la personne qui a applaudi, elle dit « Moi, je veux faire ça », ça lui passionne ce qu'elle va faire, ça va être difficile, mais ça va être vraiment le fun. Faut pas penser que « Ah, ben parce que le gars sur scène a dit qu'il a fait des millions, moi, faire ça, ça va être simple. » Ça sera pas simple. Parce que la journée où tu vas vivre un échec, tu vas repenser à ce que j'ai dit, puis ça te tentera pas de garder une attitude positive. Tu vas avoir le goût d'abandonner, tu vas avoir le goût de tout lâcher. Puis c'est là que la première étape de ce que j'ai dit tantôt, là, quand j'ai mis les pieds sur scène, là, c'est là que ça rentre en jeu. Donc, ça revient à la même chose, ça peut être comme ça pour dans n'importe quoi, mais c'est sûr que, pour le bien de la question, je pense que pour les futurs entrepreneurs, c'est quelque chose à savoir, parce qu'on ne peut pas penser être en affaires puis pas faire d'échecs. Y a-t-il une autre question? On a encore un peu de temps.
J'ai une question en haut à gauche, au fond. À ta gauche. Ben moi, ma gauche est là. Du coup, moi... Pour moi, c'est gauche. Ouais. Du coup, en fait, je vais revenir au début de ce que tu as dit par rapport à la façon de penser. Oui. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes qui ont fait des dépressions ou des burn-out? Oui, tout à fait. Mais okay. Par contre, c'est pas là-dedans qu'on... Pour répondre précisément à ta question, c'est pas là-dedans qu'on a une expertise ou qu'on on accompagne les gens. C'est pas près de notre clientèle cible. On joue pas avec les gens qui vivent de grandes détresses psychologiques. Par contre, on a accompagné beaucoup de gens qui sont dans un processus de se rétablir de dépression et qui ont déjà fait des prises de conscience et qui sont prêts d'être dans l'action pour bouger des choses. Donc, quelqu'un qui vient de se faire diagnostiquer par un médecin ou un psychiatre, tu es en dépression, on n'intervient pas, nous, à ce moment-là. On va laisser la personne faire un certain cheminement avec d'autres professionnels. Puis un peu plus tard, là, nous, on peut prendre le relais là-dessus. Mais c'est pas en premier lieu comme la personne. Puis ça dépend aussi de ce que la personne a vécu. Tu sais, dépression, là, c'est large. Là. Des fois, on met ça comme ben, dépression. Mais il y en a qui sont en dépression. Puis ils tirent ça pendant une couple d'années. Puis c'est pas si lourd que ça. Et il y en a qui c'est dépression pas capable de sortir du lit le matin. Là. Fait qu'il y a des degrés différents. C'est très, très complexe. Je comprends bien tout ce qui est au niveau de la psychologie par rapport à ça. Mais je ne me suis pas embarqué là-dedans dans de l'accompagnement par rapport à ça. Donc, je laisse ça plus aux psychologues ou thérapeutes ou professionnels qui sont dans ce créneau-là. Mais peut-être la question n'est pas finie, par contre. J'ai répondu vite à la question, mais y avait-il autre chose en arrière de ça? Parce que c'était large comme question. Y avait-il autre chose ou c'était tout? Ça semble tout. Good! Prochaine question. C'est une bonne question en passant. Je vous félicite. C'est cool. Vous êtes une belle gang. OK, j'ai une question ici. Eh oui, c'est toi, l'heureux. Comment tu t'es dit que tu vas te lancer dans le développement personnel? Juste répéter, j'ai mal compris. Comment tu t'es dit que tu vas te lancer dans le développement personnel? Une excellente question. J'ai découvert le développement personnel à l'âge de 16 ans. C'est là que j'avais pris ma décision de dire que okay, moi, je vais être millionnaire, tatata, puis j'avais tous ces grands rêves-là. Puis j'ai comme atterri là-dedans. Puis c'est ça un peu qui m'a sauvé, parce que tu sais, tantôt quand je te parlais que je me sentais idiot, c'est quand j'ai comme connu l'univers de la croissance personnelle que j'ai tout compris ces concepts-là, puis qu'au final, j'étais plus intelligent que je pensais. Et j'ai commencé à appliquer plusieurs choses, parce que ce qui est dommage, puis l'avance que vous avez tous ici, c'est que moi, je connais des gens qui découvrent le développement personnel à 40, 50, 60 ans, puis parce qu'ils ont eu plusieurs années à penser comme ils pensent, c'est dur un peu à switcher cette façon-là. Puis ils voient le développement personnel un peu comme du pelletage de nuages ou de la pensée positive qui ne changera rien. Moi, l'avantage que j'ai eu quand j'ai commencé à peu près à votre âge, c'est que j'étais naïf. Puis quand tu es naïf puis tu crois que quelque chose va fonctionner, la chance sourit souvent aux audacieux et aux naïfs. C'est-à-dire que je mettais en application ce que moi, quand on me dit « ben, t'écris tes rêves, ça va se réaliser », ben moi, je l'ai fait là, année après année d'écrire « Je serai millionnaire avant l'âge de 28 ans ». Puis je ne savais pas comment. Puis j'avais même fait un chèque dans mon portefeuille, marqué 1 million, raison, service rendu. Puis j'avais ça dans mon portefeuille, je traînais ça partout ce que j'allais, puis aux deux jours, j'ouvrais ça, puis je le regardais, ouais. Puis il y avait la date. Puis je l'ai accompli 2 ans avant la date. Et je pense pas que j'ai réussi à atteindre cet objectif-là parce que j'ai fait plein d'actions en lien avec ça. C'est parce que je l'avais décidé à 16 ans. Fait que moi, à 16 ans, quand j'ai découvert la croissance personnelle, 2-3 ans ont passé où ce que ça a eu des méga changements dans ma vie, où ce que ça allait mieux au niveau relationnel, je trouvais même au niveau de ma santé, de mon énergie, de l'argent, plein de sphères. Et là, j'ai commencé à voir que j'étais un bon vulgarisateur parce que je peux expliquer à mes amis ces concepts-là. Je peux expliquer certaines choses au niveau de la croissance personnelle aux gens autour de moi, même à mes parents. Puis je voyais que ça l'intéressait certaines personnes. Puis je voyais que j'étais quand même bon à expliquer ça. Puis c'est de là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. Puis c'est devenu ce que c'est devenu, où c'est que, ben, j'aimais beaucoup l'humour. J'ai fait aussi des spectacles d'humour. Fait que j'ai joint drôlement inspirant. J'aimais ça être inspirant, j'aimais ça être drôle. Je vais mettre les deux ensemble. Puis des fois, ça sera drôle, des fois non, des fois inspirant, des fois moins. Mais ça va être ce que je suis. Mais puisque ça a eu un gros impact dans ma vie, je sais que ça peut avoir un impact dans la vie des autres. C'est là que j'ai eu envie de partager. Et jamais j'aurais pensé qu'un jour, mon entreprise allait tourner autour de ça. Mais c'est la preuve que on peut écrire vraiment n'importe quoi si on y croit vraiment. Merci ta question. Très bonne question. Hey, parenthèse, c'est la première fois, je pense, dans un... Je vous félicite, hein, la première fois dans une école que
j'entends applaudir après chaque question. Vous êtes très bon, très cool. Mais là, je vais entendre la prochaine maison. Oui. OK, ça. OK, ouais. Je t'écoute, vas-y. C'est quoi le but de ton entreprise? Super bonne question, je vais t'expliquer très simplement. Est-ce que tu as compris, quand je me fais signe la tête, là, est-ce que tu as compris quand j'ai parlé de développement personnel où je te perdais complètement? Non, c'est correct. Ouais. Tu me suivais? Bon, on accompagne des gens là-dedans. Fait que nous autres, par exemple, notre clientèle, si on veut, c'est des gens, généralement des adultes, qui ont un but, un rêve, un objectif, mais qui leur manque certains outils pour réussir à l'accomplir. Genre, ça peut être quelqu'un qui veut perdre du poids. Je coach pas la perte de poids, là, j'ai aucun rapport là-dedans. Mais qui est bloqué mentalement avec certaines croyances par rapport au fait qu'elle est capable de réussir à perdre ou arriver à un poids santé. Là, c'est là qu'on arrive ou qu'on intervient plus au niveau psychologique, au niveau croyances, sur un paquet d'affaires au niveau de la confiance, au niveau de l'estime personnelle, au niveau de comment la personne se perçoit, au niveau de son identité. Donc, on va accompagner la personne là-dedans. Un peu comme dans toute la question au niveau dépression ou des psychologues, ça peut ressembler à ça. Parce que c'est pas que moi qui fais ça. Moi, je coach certains types de personnes, mais j'ai une grosse équipe chez Drôme Inspirant, dont des coachs qui vont aider des gens là-dedans. Donc, on a plusieurs formations, les formations qui sont en vidéo, que les gens écoutent, puis mettent en application les trucs. Comme on a des formations plus poussées avec de l'accompagnement, où ce que, bien, par exemple, tu serais avec une coach puis qui t'aide dans ce que tu as besoin. Donc, la personne partage sa difficulté. Puis nous, on le sait d'avance parce qu'on ne les prend pas comme clients si on ne peut pas les aider. Mais si on sait qu'on peut aider la personne, bien, elle partage la difficulté, puis nous, on arrive avec des trucs, des conseils, puis des choses assez concrètes. Puis c'est pour ça que, drôlement inspirant, je suis fier de le dire, fait beaucoup de bruit dans ce milieu-là. C'est qu'on aide beaucoup de personnes de façon concrète. Il y a plein de gens qui réussissent à réaliser des rêves, à lâcher un emploi qu'ils n'aimaient pas, faire une carrière qu'ils aiment, à lâcher une relation qui était toxique pour aller finalement rencontrer l'amour quelques années plus tard. Donc, on réussit à convaincre des gens dans un paquet de trucs parce que ça revient souvent qu'au final, si on ne prend pas action pour faire quelque chose qui nous ferait vraiment du bien, bien c'est qu'on est bloqué mentalement quelque part. Puis il y a des solutions pour ça. C'est pas vrai que tout est permanent et qu'il faut attendre. Donc, moi, un de mes rôles, tu m'avais déjà vu sur Internet, ben, tu sais, je réveille des gens avec mon discours, parce qu'on aime, on aime moins, on n'est pas trop sûr, mais ça, on fait des prises de conscience. Puis après ça, quand les gens sont intéressés à aller plus loin dans le processus, ben, c'est là qu'on peut leur offrir du coaching puis les aider dans leur cheminement. Donc, je préfère dire qu'on a changé beaucoup de vie au Québec, puis là, en Europe de plus en plus.